allongé sous un porche, réveillé par le froid. Il gratte au fond de ses poches quelques grains de tabac. De quoi enrouler une et fumer sous la lune. Heureux comme un bébé qu'a trouvé un téton. Heureux comme un bébé, il joue à faire des ronds. Les nababs, les émirs, jamais ne connaîtront tous ces petits plaisirs, ces douces émotions. Les magnats du pétrole ne connaîtront jamais ces petits coups de bol qui lancent la journée. Mais que faire pour les riches qui ont déjà tout et qui de tout se fichent, de tout comme de nous? Que faire pour les riches qui ont trop de tout? Mais que faire pour les riches, à part leur prendre tout? Le nez dans la poubelle, il a 7 ou 8 ans. Il trouve une ficelle et rêve un cerf-volant. Le voilà qui sourit, le voilà qui fleurit. Heureux comme un violon qui retrouve un archer. Heureux comme un violon, il se met à danser. Les nababs, les émirs, jamais ne connaîtront tous ces petits plaisirs, ces douces émotions. Les rois de la finance ne connaîtront jamais ces petits pas de danse qui sauvent une journée. Mais que faire pour les riches qui ont déjà tout et qui de tout se fichent, de tout comme de nous? Que faire pour les riches qui ont trop de tout? Mais que faire pour les riches, à part leur prendre tout? Le vieillard sous le porche appelle le gamin. Il sourit au gavroche et partage son pain. Ce n'est pas dans Hugo, pas non plus dans Charlot. C'était hier à Paris, à 2 pas d'un palace. C'était hier à Paris, quelques moments de grâce. Les nababs, les émirs, jamais ne connaîtront tous ces petits plaisirs, ces douces émotions. Les gavés des GAFA ne connaîtront jamais ces petits bouts de joie qui passent sous leur nez. Mais que faire pour les riches qui ont déjà tout et qui de tout se fichent, de tout comme de nous? Que faire pour les riches qui n'ont plus goût à rien? Mais que faire pour les riches enfin? Les laisser sur leur faim. Que faire pour les riches?